Merci de suivre les programmes d'Africa 7 et bienvenue à votre émission La Voix du Croyant. A'ouzou billahi minash shaitani rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'ouzou billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fa huwa al-muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لوجه الله سبحانه وتعالى nous le glorifions, nous lui demandons de l'aide, nous lui demandons également pardon contre le mal de nos péchés. Celui qu'il guide sur la bonne voie, nul ne peut l'égarer. Et celui qu'il égare, nul ne peut le guider. Je témoigne en fait qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration sauf Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique qui n'a point d'associé. Et que le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam est son serviteur et son messager. Que la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur lui, sa famille, ses compagnons. Et surtout, c'est ce qui le suivent sur le droit chemin jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Notre thème du jour va porter sur la pratique du zikr et de l'invocation, qui sont en fait des formes d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, très importante en islam. En grand tour, nous allons voir la pratique du zikr. Le zikr ou le rappel, chers frères en islam, peut être défini comme tout propos annoncé par la langue et le cœur et qui va dans le sens de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala, de le louer, de lui rendre hommage et de lui accorder toutes les qualités de perfection, de majesté et de beauté. Le zikr occupe une place importante en islam. C'est une adoration purement spirituel qui nous rapproche davantage de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Une adoration qui réjouit, si vous voulez, notre âme, la soulage et la réconforte. Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de pratiquer les zikr. Il nous ordonne de pratiquer souvent le zikr et à tout moment même. C'est ainsi qu'il nous dit dans le Saint-Coran. Ya ayyuhalladhina amanu, ulkurullaha zikran kathira. Ô croyants, invoquez souvent le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Glorifiez-le matin et soir. Chers frères en islam, sachez que les vrais partisans d'Allah subhanahu wa ta'ala sont ceux qui ne cessent de pratiquer les zikr. Car Allah subhanahu wa ta'ala pense toujours à eux. Fazkuruni azkurkum, affirme Allah subhanahu wa ta'ala. Pensez à moi et je penserai à vous. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un hadith al-Qudsi, un hadith sacré, rapporté par Bukhari et Muslim. Il nous dit, ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni fa in dhakarani fi nafsihi dhakartuhu fi nafsihi. وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَعْ ذَكَرْتُهُ خَيْرٍ مِنْهُ وَإِنْ أَقْتَرَبَ إِلَيَّ شِبْرًا
تقربت إليه ذراعا وإن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هروة. الله سبحانه وتعالى nous dit dans un hadith al-Qudsi: Je suis tel que mon serviteur m'estime. Je serai avec lui chaque fois qu'il se rappelle de moi. S'il se rappelle de moi dans son fort intérieur, je me rappelle de lui dans mon fort intérieur. S'il se rappelle de moi dans une assemblée, je me rappelle de lui dans une assemblée meilleure, aussi meilleure. S'il s'approche de moi d'un empan, je vais vers lui d'une brasse. S'il vient à moi en marchant, j'avance vers lui en hâtant le pas. Pour vous montrer donc l'importance et la grandeur de cette adoration qui est la pratique des zikr. Allah subhanahu wa ta'ala a spécifié ceux qui pratiquent les zikr par le gain. Et l'argument en est, le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam a dit que les meilleurs ont gagné. Et ses compagnons lui ont dit: Ô messager d'Allah, qui sont les meilleurs? Il leur répondit: Al-dhakirin Allah kathiran wa dhakirat. Les meilleurs sont ceux et celles qui pratiquent souvent le zikr. Le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam nous affirme que la différence qu'il y a entre ceux qui pratiquent le zikr et ceux qui ne le pratiquent pas, c'est comme la différence entre les vivants et les morts. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت. Il nous dit que la différence entre celui qui pratique le zikr et celui qui ne le pratique pas, c'est comme la différence entre un vivant et un mort. De ce fait, ceux qui ne pratiquent jamais le zikr, ils sont assimilés à des morts, bien qu'étant vivants. Chers frères en islam, le zikr est au sommet de la liste des actes pieux. Celui qui le pratique aura une grande récompense. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه ويوصي الرجل الذي قال له ان شرائع الاسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به فيقول له لا يزال فوق رطبا من ذكر الله. C'est pour cela que le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam pratiquait le zikr et mentionnait Allah subhanahu wa ta'ala à tout moment. Un jour, un homme est venu lui dire: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي. Que les règles de l'islam sont trop pour moi. Indique-moi une action à laquelle je vais m'attacher et la conserver pour toujours. Alors il lui répondit: لا يزال فوق رطبا من ذكر الله. Que tes lèvres continue à pratiquer le zikr. Autrement dit, pratique constamment le zikr. Le zikr, chers frères et sœurs en islam, fait partie des meilleures actions. Des actions qui élèvent notre degré en Allah subhanahu wa ta'ala.
Il vaut mieux que la dépense de l'or et de l'argent. Et son auteur, c'est-à-dire celui qui pratique ou qui ne cesse de pratiquer les zikres, aura comme récompense une récompense qui dépasse celle de combattre votre ennemi. La pratique des zikres, chers frères en islam, est un moyen de sauvetage pour le serviteur. D'après Mu'az ibn Jabal, radiyallahu anhu, An-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, قال, ما عمل عدمي عملا قط أنجى له من عذاب الله من ذكر الله عز وجل. Mu'az nous dit, aucun acte ne puisse vous sauver du supplice d'Allah subhanahu wa ta'ala meilleur que la pratique des zikrs. Pour vous dire donc l'importance de cette adoration qui est la pratique des zikrs. Le but du zikr, chers frères en islam, est d'immaculer les âmes, de purifier les cœurs et d'éveiller les consciences. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à travers ce verset. Wa aqimi salat, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, wa la zikrullahi akbar. Accomplis la prière. Oui, la prière. Car elle t'empêche de commettre des actes blâmables et des turpitudes. Mais sache que wa la zikrullahi akbar, que le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala est certes ce qu'il y a de plus important. La pratique des zikrs tranquillise nos cœurs. Tranquillise nos cœurs et nous dirige, si vous voulez, vers l'idéal, sans s'intéresser ni aux tendances du désir, ni aux incitants de l'envie. Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit toujours. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Ala bi dhikrillah tatma'innu al-qulub. C'est ce qui croit et dont les cœurs se tranquillisent au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. N'est-ce point par le rappel que les cœurs se tranquillisent? Ala bi zikrillahi tatma'innu al-qulub. Et par conséquent donc, chers frères en islam, s'adonnons-nous constamment à la pratique des zikrs pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la tranquillité du cœur. Maintenant, nous allons vous parler des règles de la pratique des zikrs. Les zikrs, comme je l'ai affirmé à l'entente de mes propos, est une adoration purement spirituelle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une adoration qui présente des règles que le pratiquant du zikr doit strictement respecter pour être récompensé par son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les règles du zikr, premièrement, le pratiquant du zikr doit porter des habits propres. Deuxièmement, il doit avoir le corps pur et parfumé. Troisièmement, il doit se mettre en direction de la Kaaba s'il le peut. Quatrièmement, il doit avoir une certaine concentration sur les paroles qu'il prononce. C'est très important. La concentration.
Cinquièmement, il doit être en position assise de préférence. Sixièmement, que l'objectif du zikr soit strictement inscrit dans le cadre d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et non dans un autre cadre. Et il est important de le préciser, car il y a beaucoup de gens qui s'adonnent à la pratique du zikr et qui ne visent qu'un seul but, qui est l'enrichissement ou le pouvoir. Il faut le dire. Et si tel est le cas, cette pratique du zikr ne serait plus inscrite dans le cadre d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est très important que l'objectif du zikr, chers frères en islam, soit strictement inscrit dans le cadre d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Septièmement, pardon, toujours sur les règles du zikr. Celui qui pratique le zikr doit éviter les paroles qui ne sont pas en conformité avec la tradition du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Pour éviter les shirk ou l'association, le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam nous dit « La ba'sa bi ruqa ma lam yakun fihi shirk » Il est permis de recourir à des formules incantatoires, exemple d'hérésie. Huitièmement, sur les règles du zikr, celui qui pratique le zikr doit faire de son mieux pour s'abstenir des grands péchés. Car si la personne est entourée de péchés, le fait même de pratiquer le zikr constitue un grand danger pour lui. Voici donc quelques règles que le pratiquant du zikr donc doit respecter pour avoir gain de cause à l'endroit de son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs en islam, il est vivement recommandé de participer aux séances des zikr, vu les pratiques que cette occasion présente. Ibn Omar a rapporté que le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam a dit: quand vous passez par les jardins du paradis, asseyez-vous là-bas. Ses compagnons lui dirent: وَمَا رِيَادُ الْجَنَّةِ يَا رَسُولَ اللَّهِ Quels sont les jardins du paradis, messager d'Allah? Il leur répondit: خَلَقُ ذِكْرِ Ce sont les séances de la pratique du zikr. Car Allah subhanahu wa ta'ala a des anges qui ne cherchent que ces genres de séances. Une fois qu'ils les trouvent sur terre, il les entoure. Toujours sur les mérites donc d'assister à la séance de la pratique des zikr, le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam nous dit: wa majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna baynahum illa nazzalat alayhim as-sakinah وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Le prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam nous dit, toujours sur les mérites de la pratique du zikr, chaque fois que les gens s'assoient pour pratiquer le zikr, les anges les entourent. La miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala les couvre. La tranquillité les survient. Et Allah subhanahu wa ta'ala les mentionne devant ses anges. Pour vous dire donc l'importance qu'il y a en fait pour de participer
à la séance de la pratique du zikr. Maintenant, nous allons voir les paroles préférées pour le zikr. La parole la plus préférée en matière de zikr, cher frère en islam, c'est-à-dire le terme « La ilaha illallah » qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration sauf Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la meilleure parole en matière de zikr. Et le prophète Muhammad alayhi sallam nous l'a dit « Afdalu zikr, la ilaha illallah » La meilleure parole qu'un serviteur peut prononcer est « La ilaha illallah » C'est-à-dire qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit également que tout serviteur qui prononce cette formule, c'est-à-dire « La ilaha illallah » tout en évitant les grands péchés, alors les portes du ciel s'ouvrent pour que ces paroles atteignent le trône sacré. Le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam nous dit aussi dans un hadith al-Qudsi, pas un hadith al-Qudsi, mais dans un hadith de cours, il nous dit « Jadidou imanakum » Renouvelez votre foi. Et ses compagnons lui dirent « Ô messager d'Allah, comment on renouvelle la foi ?» Il leur répondit « Akfiru min qawli la ilaha illallah » Dites souvent « La ilaha illallah » Il n'y a point de divinité digne d'adoration sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, toujours sur les paroles préférées en matière de zikr, il nous exhorte à prononcer souvent ces deux termes. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Gloire à Allah subhanahu wa ta'ala et louange à lui. Gloire à Allah subhanahu wa ta'ala, le majestueux. Pourquoi? Car ces deux termes sont légers sur la langue, mais pesants sur la balance et préférables pour le clément. Le prophète Muhammad alayhi salam nous le confirme. Kalimatani, khafifatani ala l'lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Il nous dit deux termes sont légers sur la langue, pesants sur la balance et préférables pour le clément. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Gloire à Allah subhanahu wa ta'ala et louange à lui. Gloire à Allah subhanahu wa ta'ala, le majestueux. Voici donc quelques paroles préférées en matière de zikr. Chers frères et sœurs en islam, évitez de s'adonner au zikr en des termes qui vous rend fou. Aujourd'hui, il faut le dire, beaucoup de nos jeunes ont perdu la raison à cause des noms dangereux donc qu'ils évoquent en matière de zikr. C'est pourquoi le musulman doit éviter, surtout les jeunes, doit éviter en matière de zikr des termes dangereux. Quand vous désirez faire le zikr ou pratiquer le zikr, utilisez les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les noms que le prophète Muhammad alayhi salatu salam nous a enseignés dans sa tradition, qui sont des noms pleins de bénédictions,
des noms qui ne vont jamais vous porter préjudice. Vous savez, en matière de zikr, surtout les jeunes, en matière de zikr, il y a des préalables qu'il faut prendre en compte. D'abord, être un vrai adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Autrement dit, quelqu'un qui accomplit régulièrement ses prières et qui est en parfaite conformité avec les recommandations du Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, être constamment en état de pureté. Vous savez, le pratiquant du zikr, il doit s'éloigner le maximum possible des impuretés pour se mettre à l'abri de Satan. De Satan qui est hostile à la purification. Troisièmement, il doit s'éloigner, toujours sur les préalables du zikr, il doit s'éloigner davantage des grands péchés, tels que boire de l'alcool, commettre l'adultère, le mensonge, etc. Si toutefois vous remplissez ces trois préalables, là vous serez dans les dispositions parfaites, donc, pour pratiquer les zikr. Mais si vous n'adorez pas Allah subhanahu wa ta'ala comme il faut, vous commettez des grands péchés à longueur de journée et vos règles de purification ou les règles de purification les plus élémentaires ne sont pas maîtrisées, là le fait même de pratiquer les zikr serait un grand danger pour vous. Donc voici donc pour ce qui est de la pratique du zikr. Nous allons voir en grandeur l'invocation, yani ad-du'a. L'invocation, chers frères en islam, est aussi une forme d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna du'a huwa al-ibada. L'invocation est certes une adoration. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux gens ou aux musulmans de l'invoquer et de le supplier. Et à son tour, il leur promet donc de leur accorder leurs demandes. Il nous l'a dit. Ud'uni astajib lakum. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Invoquez-moi, j'exaucerai vos demandes. C'est ce qui refuse de m'adorer. إن الذين يستكبرون عن عبادتي. C'est ce qui refuse de m'adorer par orgueil. Entreront tête basse en enfer. وَالْإِيَّازُ بِاللَّهِ. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Allah subhanahu wa ta'ala a dit au prophète Muhammad alayhi salatu wa salam que mes serviteurs vont certes vous questionner sur moi. Et quand ils vous questionnent sur moi, dis-leur que je suis près d'eux, je ne suis pas loin d'eux. وَإِذَا سَعَلَّكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ دَاعِي إِذَا دَعَانِ. Si mes serviteurs te questionnent sur moi, dis-leur que je suis près d'eux. Je réponds à l'appel de ceux qui m'implorent. L'invocation, chers frères et sœurs en islam, est une adoration vénérée par Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam nous dit: Laysa shay'un akramu 'ala Allah min ad-du'a. Il n'y a pas de chose aussi vénérée pour Allah subhanahu wa ta'ala que l'invocation. Allah subhanahu wa ta'ala a même banni tout serviteur qui refuse de l'invoquer. Et le prophète Muhammad alayhi salam nous dit à ce propos:
من لم يسأل الله يغضب عليه. Celui qui n'invoque pas Allah subhanahu wa ta'ala sera certes banni. C'est pourquoi, chers frères en islam, il nous faut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala à tout moment, avec beaucoup d'insistance même. Vous savez, notre arme fatale, nous les musulmans, c'est l'invocation. Ad-du'a'u, c'est l'arme mu'min. L'invocation demeure l'arme fatale du croyant. Nous n'avons que ça. Invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Toute invocation sera sans doute exaucée par Allah subhanahu wa ta'ala. S'il n'est pas entaché de péché ou de pratiques allant dans le sens de rompre les liens de parenté. Le prophète Mohammed alayhi salam nous l'a dit, ma min muslimin yad'u Allah azza wa jalla bida'watin laysa fiha ithmun wala qati'atu rahim illa a'tahu Allah biha ihda thalath khisal imma an yu'ajjil lahu da'watahu وإما أن يدخرها له في الآخرة وإما أن يصرف عنه سوء أو من السوء. Le prophète Mohammed alayhi salam nous dit, il n'y a pas un musulman qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala d'une invocation qui n'est pas entachée de péché ou de pratique allant dans le sens de rompre le lien de parenté. Sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'exauce donc par l'un de ces trois façons. Soit l'invocation est exaucée dans l'immédiat, soit elle lui est réservée jusqu'au jour dernier pour être exaucée, ou soit elle lui est exaucée donc par la protection d'un supplice qui allait l'atteindre. Et la meilleure évocation qu'un musulman peut formuler, c'est d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il l'accorde le pardon et la paix. En ce bas monde et dans l'au-delà, c'est la meilleure invocation qu'un musulman peut formuler. Qu'Allah nous accorde la paix et le pardon en ce bas monde et en au-delà. Et l'argument en est, un homme est venu dire au prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, Ya Rasoul Allah, ayu dua afdal, ô messager d'Allah, quelle est l'invocation la plus préférée? Le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam lui répondit, Sal Rabbaka al-afwa wal-afiyata fi dunya wal-akhira. Voyez, demande à ton Seigneur qu'il t'accorde le pardon et la paix en ce bas monde et en au-delà. L'homme revient une seconde fois et pose la même question au prophète Mohammed alayhi sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui répondit la même chose. Demande à ton Seigneur qu'il t'accorde le pardon et la paix en ce bas monde et en au-delà. L'homme revient encore pour une troisième fois et lui pose la même question. Le prophète Mohammed alayhi sallam lui répondit la même chose. Et cette fois-ci, il y ajoute, si Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde le pardon et la paix en ce bas monde et en au-delà, tu as réussi. De ce fait, nous aussi, invoquons notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous accorde le pardon
et la paix en ce bas monde et en au-delà. Chers frères en islam, trois invocations sont sans doute exaucées par Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi elles, l'invocation d'un parent, donc pour son fils, l'invocation d'un voyageur et l'invocation d'un opprimé. Ces trois invocations sont sans doute exaucées par Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Muhammad alayhi salam nous l'a confirmé. Thalathat da'awat mustajabat la shakk fihin. Da'wat al-walid ala al-walad wa da'wat al-musafir wa da'wat al-mazloum. Il nous dit que trois invocations sont sans doute exaucées. L'invocation d'un parent pour son fils, l'invocation d'un voyageur et l'invocation d'un opprimé. Surtout l'invocation d'un opprimé. Voyez le hadith, le fameux hadith même de Mu'az ibn Jabal, radiyallahu anhu. Lorsque le prophète Mohammed alayhi salatu wasalam l'envoya à Yaman, à la fin de ce hadith ou de son hadith, Mu'az ibn Jabal avait dit aux Yéménites, écoutez, Itaqi da'watul mazloum, fa innaha laysa baynaha wa bayna Allah hijab. Méfiez-vous de l'invocation d'un opprimé, car il n'y a aucun voile qui s'interpose entre Allah subhanahu wa ta'ala et lui. C'est pourquoi donc, chers frères en islam, il nous faut éviter l'invocation d'un opprimé. Et toujours sur les invocations exaucées, il y a l'invocation d'un jeûneur au moment de la rupture de son jeûne et l'invocation d'un imam juste. Le prophète Muhammad alayhi salam nous l'a dit, ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حين يفطر والإمام عادل ودعوة المظلوم. Il nous dit que trois invocations sont sans doute exaucées. Le jeûneur au moment de la rupture de son jeûne, un imam juste et l'invocation d'un opprimé. Maintenant nous allons voir les meilleures formules pour l'invocation. Pour les meilleures formules en matière d'invocation, nous pouvons citer d'abord les versets coraniques. Et l'argument en est ici, un homme est venu dire au prophète Muhammad alayhi salam, Ya Rasulallah, ma akoul, ô messager d'Allah, que dois-je dire quand je veux invoquer Allah subhanahu wa ta'ala? Le prophète Muhammad alayhi salatu wasalam lui répondit, quand tu veux invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, dis Kul huwa Allahu ahad wal mu'awwidhatayn hina tusbih wa hina tumsi takfika min kulli shay'in. Le prophète Muhammad alayhi salam lui répondit, quand tu veux invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, dis les sourates Qul huwa Allahu ahad et les deux Qul a'ouzu, c'est-à-dire Qul a'ouzu bi rabbil falaq et Qul a'ouzu bi rabbin nas. C'est ça qu'on appelle al-mu'awwidhatayn, parce que c'est des sourates qui nous servent de protection. C'est pourquoi on les appelle al-mu'awwidhatayn. C'est pourquoi même vous entendez souvent dans nos mosquées, après chaque prière, on nous dit de formuler Ikhlas, Falaqi et Nas. Oui. Vous savez, c'est des sourates pleines de bénédictions, des sourates qui nous servent de protection. Et le prophète Mohammed alayhi salam nous dit, je me protège qu'avec ces deux sourates, c'est-à-dire avec Qul a'ouzu rabbil falaq et Qul a'ouzu rabbin nas, c'est-à-dire falaq et nas.
Donc, c'est des sourates qui nous servent de protection. Donc, le musulman peut les utiliser en matière d'invocation. Il est recommandé d'utiliser le verset du trône aussi, c'est-à-dire Ayat al-Kursi. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Jusqu'à la fin de ce verset, ça qu'on appelle le verset du trône. C'est un verset qu'on peut utiliser en matière d'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est un verset extraordinaire qui nous protège contre le mauvais sort, contre Satan et contre donc tout ce dont nous craignons. Chers frères en islam, tout le Coran même peut nous servir de formule d'invocation. Car le Coran en tant que tel, il est guérison, il est également miséricorde pour le croyant. Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Oui, لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ظَالِمِنَ إِلَّا خَسَارًا. Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde, mais pour les croyants, لِلْمُؤْمِنِينَ. Cependant, cela ne fait qu'accroître la perdition des injustes. وَلَا يَزِيدُ ظَالِمِنَ إِلَّا خَسَارًا. Il est recommandé également de faire des invocations avec les formules que le prophète Mohammed nous a enseignées à travers sa tradition, comme celle qui se trouve dans le petit livre intitulé « Hisnul Muslim ». Les formules incantatoires sont aussi permises en matière d'invocation, mais à condition qu'elle n'est pas entachée donc de shirk, c'est-à-dire d'hérésie. Ça qu'on appelle en wolof moch. Donc, si ces formules sont entachées d'hérésie, de shirk, là, le fidèle n'a pas le droit de les utiliser donc en matière d'invocation. La ba'sa bi ruqa ma lam yakun fihi shirk. Il est permis de recourir à des formules incantatoires, donc exempte d'hérésie. Chers frères en islam, il est formellement interdit pour un musulman d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala sur des pratiques ancestrales telles que les flèches des divinations, qui sont en fait des pratiques qui sont en porte-à-faux avec les principes de l'islam. Le musulman n'a pas le droit d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala sur ses pratiques. Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit dans le Saint-Coran. Ya ayyuhal lazina amanu, innama al-khamru wal-maisir wal-ansabu wal-azlam, rijusun min amali shaytan, fattenibuhu la'allakum tuflihun. Aux croyants, évitez le vin, les jeux de hasard, les pierres dressées, et les flèches des divinations. Car ils ne sont que des pratiques. Ils ne sont donc que des impuretés. Ridjusun. Ils ne sont que des impuretés et des pratiques de Satan. Min amali shaytan. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de nous démarquer de ces pratiques. Si nous voulons véritablement entrer au paradis. Chers frères en islam, pour que nos invocations soient exaucées, il nous faut impérativement se conformer aux prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi Ibrahim ibn Adham nous relate dans son livre intitulé « Tazkiyatu Nafs ». C'est ça le titre de son livre, « Tazkiyatu Nafs ». La pureté de l'âme. Là, Ibrahim ibn Adham nous dit, il y avait des gens, écoutez bien cette histoire, il y avait des gens qui étaient venus lui dire, je cite,
Nous ne cessons d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, mais nos prières tardent à être exaucées. Et pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala nous avait clairement signifié dans le Coran, « Ud'ouni astajib lakum »« Invoquez-moi, j'exaucerai certes vos demandes. » Qu'en est-il? Il leur répondit, « Li'anna quloubakum mayitatun » Vos invocations ne peuvent pas être exaucées parce que vos cœurs sont morts spirituellement. Les gens lui disent, « Wama alladhi amataha » Qu'est-ce qui est à l'origine de cela? Il leur répondit, « 8 facteurs sont à l'origine de la mort de vos cœurs. » Premièrement, il leur dit, عرفتم حق الله تعالى ولم تقوموا بحقه. Vous maîtrisez parfaitement les prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais malheureusement, vous ne vous y conformez pas. Deuxièmement, il leur dit, وقعتم القرآن ولم تعملوا بحدوده. Vous lisez couramment le Saint-Coran et vous ne vous donnez pas la peine d'appliquer ces orientations. Vous voyez? Troisièmement, il leur dit, wa qultum nuhibbu rasul sallallahu alayhi wa sallam wa lam ta'malu bi sunnatihi. Vous dites que vous aimez le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam et vous ne pratiquez pas sa tradition. Vous ne vous fiez pas de sa pratique. Quatrièmement, il leur dit, وَقُلْتُمْ نَخْشَ الْمَوْتِ وَلَمْ تَسْتَعِدُوا لَهُ. Vous dites que vous craignez la mort et vous ne la préparez guère. Cinquièmement, il leur dit, وَقُلْتُمْ نَخَافُ النَّارِ وَنَخَافُ النَّارِ وَأَرْهَقْتُمْ أَبْدَانَكُمْ فِيهَا. Vous dites que vous craignez l'enfer et vous ne faites aucun effort pour vous en préserver. Sixièmement, il leur dit, وَقُلْتُمْ نُحِبُّ الْجَنَّةِ وَلَمْ تَعْمَلُوا لَهَا. Vous dites que vous aimez le paradis et vous ne faites aucun effort pour l'avoir. Septièmement, il leur dit, vous laissez vos défauts derrière vous pour vous intéresser de ceux des autres. Huitièmement, il leur dit, vous savez bel et bien que Satan, le diable, est votre ennemi juré et vous collaborez avec lui. Donc c'est ces 8 facteurs qui ont fait que vos cœurs sont morts spirituellement. Et par conséquent donc, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas exaucé vos invocations. Pour vous dire donc, chers frères, qu'il nous faut se conformer donc sur les principes d'Allah subhanahu wa ta'ala pour que nos invocations soient exaucées. Toujours pour que nos invocations soient exaucées, il nous faut également consommer du licite. C'est très important. Du licite. Vous savez, si la personne, écoutez bien, si la personne consomme de l'illicite, quelle que soit la grandeur et l'efficacité des invocations qu'elle formule, Allah subhanahu wa ta'ala ne va jamais l'exaucer. Et l'argument en est ici. Sa'd Abi Waqas, qui était un des compagnons du prophète Muhammad alayhi salatu wasalam, il est venu un jour dire au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasul Allah, ud'u Allah an yaj'alani mustajaba da'wa. Sa'd est venu dire au prophète Muhammad alayhi salatu wasalam, demande-moi Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il m'exauce mes invocations. Le prophète Muhammad alayhi salatu wasalam lui répondit, Ya Sa'd,
أطيب مطعمك تكون مستجاب دعوة. وين يا سعد؟ أطيب مطعمك تكون مستجاب دعوة. أوه سعد، si tu veux que tes invocations soient exaucées, fais ton possible pour que tout ce que tu consommes soit licite. Pour vous dire donc que la consommation du licite, chers frères en islam, est une condition sine qua non pour qu'une invocation soit exaucée. Chers frères et sœurs en islam, nous avons ici quelques questions à répondre. Première question, il nous demande, peut-on parler au cours du tawaf? Oui, vous savez, le tawaf, il est un des piliers du pèlerinage. Il est assimilé à la prière. La seule différence est qu'on peut parler au cours du tawaf, mais que du bien. On peut parler, mais que du bien. Le prophète Muhammad alayhi salam nous l'a dit, At-tawaf hawla al-bayt mithlu salah ila annakum tatakallamun fihi min faman takallama fala yatakallamu illa bi khayr. Le prophète alayhi salam nous dit que le tawaf, il est identique à la prière. La seule différence qui le distingue d'elle est que vous pouvez parler en l'accomplissant. Et quand vous parlez, ne dites que du bien, c'est-à-dire de bonnes paroles. Wallahu ta'ala a'lam. Deuxième question, il dit que mon épouse et moi sommes de religions différentes. Est-ce que la succession peut être établi entre nous? Non, il ne peut pas y avoir de succession car vous êtes des religions différentes. Le prophète Muhammad alayhi salam nous le dit, la yarithu al-kafir al-muslim wa al-muslim al-kafir. L'infidèle n'a pas droit à la succession d'un musulman ni de dernier à la succession donc d'un infidèle. Imam, troisième question, si au cours d'une prière vous récitez une sourate où il y a une prosternation, doit-on obligatoirement faire la prosternation ou non? Et quelle est la formule à prononcer en cette occasion? Oui, quand vous récitez une sourate où il y a prosternation, que vous soyez au cours d'une prière ou non, vous devez vous prosterner obligatoirement. Et l'imam doit éviter de réciter même des sourates où il y a des prosternations dans un milieu où il y a beaucoup d'ignorants, beaucoup de gens qui ignorent les religions. Pourquoi? Pour ne pas semer la confusion. Il n'y a rien de gravité, mais l'imam doit l'éviter, surtout s'il est en fait dans un milieu où les gens ne savent pas leur religion. Et la formule à prononcer, donc en cette occasion, le fidèle doit dire « Sajada wajhi » للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله احسن الخالقين. Ma face se prosterne à celui qui l'a créé et qui a placé par sa toute puissance donc la vue est lui. Béni soit le créateur parfait. فتبارك الله احسن الخالقين.
Donc, chers frères et sœurs en islam, nous voilà au terme de notre émission. Sans oublier nos remerciements aux nombreux téléspectateurs d'Africa 7 qui ne cessent de suivre donc la voix du croyant. Nos remerciements également à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés pour la réalisation de cette émission. Merci et à la semaine prochaine. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwa ghafurur rahim.